Oh mais ça y est, tout de suite vous m'accusez. Oh là, c'est pas cool. Mais non, en fait c'est à cause du... Je suis sûr que c'est à cause du ventilateur, on était morts de chaud. Parce qu'on était tous un peu empilés les uns sur les autres avec des copains. Et le ventilateur, ça a fait un choc thermique. Hein? Ouais. Ah mais faut que j'utilise coupe! Oh, on va couper des arbres, alors objet. On va utiliser la cesse, on va la filer à mon ratata. Après on te coupe un Pokémon. Bah vas-y, on voit. Non! Bah Gangel apprend, ok, super. Oublier une attaque pour apprendre coupe, oui. Oublier qu'il attaque poutre toxique. Poutre toxique ne me sert strictement à rien. Apprends coupe, voilà. Ça suit un stream Phoenix Wright. Objection! C'est pas cool. Mais du coup, moi je fais qui? Moi je fais l'accusé. Oh, c'est chiant. C'est pas gentil, hein. Allez, Gonja a tout coupé. Salut champion d'herbe! Le major Bobin surnom, on l'appelle le Ricain Survolté! Il est expert en Pokémon électrique! C'est pas bon pour les Pokémon volants et les Pokémon eau! Fais aussi gaffe aux éclairs pour vous paralyser! Le major Bob est très prudent! Il te faudra résoudre une énigme pour arriver jusqu'à lui! Ok. L'énigme, je la connais. Et l'énigme, elle est relou. L'énigme, elle est relou. Donc, le marin qui a un Pikachu, c'est normal. Les marins ont tous des Pokémon électriques. C'est des dynamos pour faire du morse. Ah, d'accord, t'es plus rapide que moi. T'es niveau 20. Ah, t'es niveau 21 quand même. Ah, oui. Ah, ah oui, ça fait pas plaisir, hein. Ah, c'est bien ça. Et putain, il a one shot, ça c'est cool ça. Alors, Ino fait l'avocat de la défense, t'es dans la merde. Il va faire objection avec une truelle. Objection! Yeah, niveau 20, c'est cool. Et donc, moi en fait, faut que je fasse le. Le mec qui pète les plombs, le mec est tout triste parce qu'il va se faire avoir. Et il faut que je fasse une pause où je suis rassuré, en fait, c'est un peu ça l'idée. Pendant que la morte se racle la gorge, d'accord. Objection! L'idée c'est si on joue un mec qui joue la manette au jeu et un mec qui joue la guitare en chantant les dialogues du jeu. On pourra le faire. Mais on pourrait le faire en fait. Parce que bon, j'ai encore quelques petits restes au niveau de Power Court. Et puis je pense que Woody il saurait faire ça, mais moi je joue. Moi je chante pas en fait, ça veut dire. Ah oui, c'est oui, c'est vrai. Votre nerf. Ah, c'est pas mon client. Attends, pourquoi je fais un accent allemand là? Ça va rien. Mais là, c'est brésilien. Oh, mais je me perds dans mes accents. Bah, j'arrête de faire ça. J'ai décidé au jour d'aujourd'hui, 12 juillet 2015, 22h48. J'arrête les accents. Oh, mais j'ai perdu mon accent portugais. Alors, dès que j'ai perdu mon accent africain. Bah du coup, j'ai plus d'accent quoi. Coupable! Un rocker! Ah, c'est un micro! Il a un micro dans la main! J'avais jamais compris ce que c'était. Il fait appel à une couille. D'accord. Moi, je fais appel à une tub. Voilà. C'est le stream de l'amitié. On instant!
Sonic Boom. Ah, il faut que je travaille mon accent portugais. Hein. Faut vraiment que je travaille tout ça. Un Magnéti. Non, je change pas de Pokémon. Oh, puis Magnéti va être tellement gratuit dans la prochaine gen. Oh, c'est cool. Bam, tunnel. Paf, ici t'arrives. Oh, il est tellement top tier, top picker dans cette arène. Et le pire, c'est que c'est tout con, parce qu'en fait, c'est... Mais il est genre dans la zone qui est juste à côté, en fait. Donc le mec, il a créé une arène. Électricité, d'accord. Genre, il dit, ouais, je vais péter tous les dresseurs qui passent. Mais n'importe quel trou du cul qui va à côté dans la caverne capture un topiqueur, il le pète sans problème. Voilà. Et le gars, il se dit, ouais, je suis champion d'arène. Tout va bien. Ah, le Sonic Boom, non, il va me faire trop mal. Putain, 20 PV en moins, mais oui. Oh. Ça fait mal. On nous le coupe terre. Peggy dit tu stream. Ouais mais c'est parce qu'il y a la Reine des Neiges qui dit pour l'amour et l'amitié. Arrêtez cette vulgarité. Donc en fait la Reine des Neiges elle est là un petit peu pour contrecarrer mes problèmes de vocabulaire restreint. Voilà. J'ai plus la petite voix, elle est partie. Ouais, c'est parce que j'ai trop de bêtises en fait, c'est pour ça. Petite voix, ça va bien. D'accord. Alors, comme j'ai vu que mon Pokémon a pris grave cher, je vais mettre donc des potions. Voilà. Ensuite, allez, je vais me le faire aussi lui. On est bon. Dans l'armée, le Major Web était mon instructeur de combat. Et puis d'abord, on dit Peggy 18 se stream, mais les streamers français les plus connus, les plus regardés, sont des mecs les plus vulgaires de la Terre. Donc, qu'on vienne pas me donner de leçons, moi je n'ai pas encore de popularité. Je crois que mes vidéos sur YouTube elles font même pas 20 vues. Donc, je pense qu'avant de choquer quelqu'un, bon, je peux voir venir. Ah là là. Ah mais forcément Ninus, il y a des nanas à côté de toi qui mettent des vidéos à la con, bah oui, ça bouffe la bande passante. Mais t'as pas la 4G en Bretagne? Tu l'as dit, je suis en train de le dire, mais t'as peut-être même pas entendu l'entièreté de ma phrase. Et ça c'est ballot quand même. Pascal Macho. Oh là là, mais les meufs. On peut pas gagner un stream tranquille quand il y a des meufs à côté en fait. Hein. Ça on sait hein. Bon allez, maintenant faut aller à la poubelle. Je vais t'en ordure, miam. Je vais t'en ordure, miam. Je vais t'en ordure, miam. Oh, je vais t'en ordure, miam. Et je vais t'en ordure, miam. Et là, je le sens bien. Ah non, ok. Là, là, là. Ok. Je vais t'en ordure, miam. Non. Bah, il est où alors? Normalement c'est bon. Oh non t'es sérieux. Mais elle est où ton bouton de merde? Ça c'est celui-là. Mais je peux pas ouvrir la porte. Pourquoi? Mais c'est... Comment c'est possible? Y'en a un que j'ai pas fait ou quoi là? Oh, un bouton dans la poubelle! Dingue! Sauf que là je suis vénère! Parce que du coup maintenant j'ai 4 possibilités. Et c'est chiant. Moi je suis un mec de droite donc je vais aller à gauche. Eh ouais! Putain, on peut pas faire confiance au mec du Parti Socialiste quoi. Chier. Et on recommence. Ouais. Ouais, ah ouais, ouais. Mais c'est des conneries. Genre les boutons ils disparaissent et réapparaissent dans les poubelles comme ça gratos. Oh là là. Oh ouais, un tas d'ordures. Mais oui, c'est une ordure le Major Bob. Mais oui, oh là là. Oh là.
Oh Nuno, ce message est pour toi. Tant que j'ai pas défoncé le Major Bob, je me casse pas. Donc je vais pourrir la bande passante de tes copines jusqu'à ce que j'ai vaincu le Major Bob. Ah ouais, qu'on se le dise. Ah, si le bouton pouvait être dans le coin, ce serait cool. Oh ouais, le bouton est dans le coin, trop bien. Maintenant, j'ai une chance sur deux. Celui-là. Putain, non. Oh là là. Mais faut jamais aller à gauche. Faut jamais aller à gauche. Mais c'est de la merde. C'est de la merde. Oh là là. Allez, Elsa, pour l'amour et pour l'amitié. Mais non, mais j'ai dit à t'y voir celle-là, là. Oh, un bouton. Bon, une chance sur deux. Et ce coup-ci, c'est encore à gauche. Putain, mais c'est jamais à gauche. Oh là là. J'en ai marre. Bon, on va pouvoir peut-être raconter d'autres trucs. Le chat. Quel est votre Pokémon préféré? Voilà. On va commencer par ça. Quel est votre Pokémon préféré? Ou quel est le type de Pokémon que vous aimez le plus utiliser dans les jeux? Ça peut dépendre d'une version à l'autre. Moi, je vois trois fois la même poubelle, des fois que on ne sait jamais. Oh là là. Mais il faut y aller méthodique en fait là. Là je suis pas méthodique. Alors, juste à dormir miam. Oh, un bouton dans la poubelle! Dingue! Une poubelle, putain, mais sérieux! Oh là là! La passion des poubelles, mais oui, Pokémon, le jeu des éboueurs! Oh là là! Qu'est-ce qui s'appelle mettre les mains dans la merde, hein? Vas-y, mais t'as pas un moyen de trouver facilement à chaque fois. Oh non. Mais le pire, c'est que je me rappelle quand j'étais petit, mais j'arrivais du premier coup. Mais tout le temps. Ou du deuxième au pire, quoi, tu vois, mais... Mais tout le temps. Oh là là là. Et pendant ce temps-là, l'autre sac, là-haut, il est content. Il me regarde et je tourne en rond et il est en train de se foutre de ma gueule. Ah ah ah. Le petit dresseur, il fait n'importe quoi. Mon petit voix, gauche ou bas? Putain, vas-y, sérieux! C'est la cinquième fois que je vais à gauche, elle y est jamais! Oh là là! Ah, Metal Tech qui dit qu'il préfère la première gêne. Oh putain, je ferai une bouton de direct! Oh, ça c'est cool! Alors, le premier voyage est levé. Bon bah, Pokémon, c'est un jeu de droite, on va à droite. Le deuxième verrouillage est levé. Voilà, donc Pokémon, c'est un jeu pour mec de droite. Ok. Voilà, donc Metal Tech, tu préfères la première gêne. Est-ce que tu as essayé déjà les autres gènes, du coup? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils préfèrent la première, mais ils ont jamais joué aux autres. Donc, ça ne met pas en cause hein, ton choix, bien évidemment. Hein. C'est juste une question comme ça. Alors, Nuno, j'ai pas réussi à choisir, mais les trois sélectionnables au début, trop compliqué, j'ai laissé tomber Pokémon. Ah, maintenant, il y en a un peu plus de 700, donc c'est un peu plus compliqué. Et les hasards, son Pokémon préféré, c'était Dracaufeu. Mais ça, c'est la passion de la nostalgie, du coup. C'est que Lucario aussi, il est classe. J'ai acheté un Amiibo Lucario. J'annonce, j'ai un Amiibo Lucario. Et en Finobi. Bon, je vais sauvegarder, ça sert à rien parce que si je me fais wipe, ben... ça sert à rien. Oh mais les... Moi, ma génération préférée, c'est la cinquième. Hein. Blanc et noir, top tier de la vie. Hein. Ah, et blanc et noir, elles m'ont vraiment fait plaisir, ces versions-là. Hein. Ouais, compte tes dents, tu vas morfler. Mais écoute, mec, t'as une cave de piqûre à 200 mètres de chez toi, donc commence pas mal parler, quoi. Gène préférée, ouais, Ruby Saphir. Il y en a beaucoup, hein, qui aiment beaucoup Ruby Saphir. Ah, merde, j'ai fait griffe. Oh, putain, Sonic Boom Taras. Voilà, là maintenant, j'insulte. Voilà.
Moi je suis griffe. Objet. Bon bah c'est bien, je suis baisé. Ganja. C'est or et argent, elles étaient tellement folles ces versions. Mais en fait, je me suis fait une petite remarque par rapport aux générations de Pokémon. C'est vrai que la toute première gène, c'est clairement celle qui a le plus marqué les gens. Parce que bah, tout le monde a découvert Pokémon avec la première gène. Et en fait, la deuxième, il y a toutes les nouveautés en fait. Tout ce qui, que la première gène, enfin tout ce qui était pas bien en fait dans cette gène là, les graphismes, c'est quand même assez dégueulasse, hein, faut pas se mentir. Les graphismes, les musiques, tout ça, bah tout était amélioré en fait avec la seconde gène, donc du coup c'est pour ça que c'était genre méga ouf quoi. Moi je me rappelle que je l'avais pas tout de suite, je squattais en fait la version de des voisins, quand j'étais petit, enfin plus jeune, et j'ai toujours recommencé le jeu 12 fois en 3 semaines je crois. Et je fais toujours 2 heures chaque fois. Donc le début je le connais par cœur, hein, je l'ai quand même bien poncé. Et puis voilà. Après les remakes c'est une autre histoire, hein. Les remakes peuvent être vraiment intéressants. Ce qui est juste rigolo c'est le fait de voir que t'as des Pokémon de la 3ème et 4ème gène qui sont intégrés dans Or et Argent. Ça c'est marrant. Donc du coup c'est pour ça que j'aime bien ces gènes là aussi. Enfin j'aime bien les remakes, je veux dire. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, hein. Moi je sais que Or et Argent m'a vraiment fait kiffer quand j'étais plus petit. Après, voilà, ma gène préférée, c'est clairement la 5ème, mais aussi, il y a le contexte qui fait que ça a une part particulière dans mon cœur, dans mon petit cœur. En fait, ce qu'il faut voir, en fait, par rapport à la version blanche, oui, c'est la blanche que j'ai achetée, je l'ai achetée au Japon. J'ai fait la queue avec plein de japonais le jour de sa sortie du jour de la sortie du jeu. J'étais tellement fier. Et donc en fait j'ai fait la 5ème gène, donc que ce soit noir ou noir 2, je les ai fait en Jap. J'ai fait les deux jeux en Jap. Et ce qui m'a poussé en fait à reprendre la 6G en français, c'est le fait que c'est une sortie mondiale. Que je jouerai pas 6 mois avant tout le monde. Et donc tant pis, je suis allé, tant pis. On aura les traductions pourries, les jeux de mots à la con. Je voulais mettre qui? Non, je voulais pas faire ça, je voulais mettre des objets. Je vais mettre une petite potion sur mon Woody Woodpecker. Ah mais Zaki, il faut que tu joues en noir et blanc. Franchement, après ça dépend en fait. Je conseille pas, enfin je conseillerais l'un des deux, entre 1 et le 2 je veux dire, selon le joueur que tu es, à savoir que noir et blanc 1, la particularité c'est qu'il n'y aura aucun Pokémon des gènes précédentes dans le jeu. Ça veut dire qu'en fait tu vas faire le jeu, jusqu'à la Ligue Pokémon, t'auras que des nouveaux Pokémon. C'est en fait voilà, quand ils ont voulu développer le jeu, ils ont voulu faire en sorte de refaire en fait comme pour la première gène, comme s'ils partaient de zéro. Et du coup je trouve que c'est un pari plutôt osé et en plus un pari qui marche plutôt pas mal. Parce que même si ça manque de Pokémon flotte, contrairement à la 3 joues il y en a beaucoup trop, au moins je sais pas, il y a un feeling qui fait que tout est super cohérent. Après l'avantage après de Noir 2, enfin Noir et Blanc 2, c'est que en gros il est plus ou moins expliqué de manière un peu bâtarde pourquoi. Mais tu peux trouver tous les Pokémon quasiment dans le jeu, hormis une petite quantité, il y en a une cinquantaine je crois qui sont pas trouvables, un truc comme ça. Mais genre tu commences, tu peux trouver des Riolu, des Watwat, tu vas dans la... C'est rigolo, si tu vas dans la grande ville, tu peux passer dans les égouts, et en fait dans les égouts tu peux tomber sur des Rattata et des Nosferapti. Mais après le problème c'est que Noir et Blanc 2 forcément ils vont faire référence à tout ce qui s'est passé dans le 1, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le 1. Et bah tu risques d'être un petit peu perdu. Ouais voilà, en fait la 5G c'est une sorte de reboot. Et le Raichu qui fait peur. Bon,
Bah, sois courageux, Woody Pecker. Éclair, bah, vas-y. Allez, c'est bon, t'es gratos. Après, l'histoire est dingue, faut pas déconner, hein. On n'est pas sur un FF, hein. Mais c'est vrai que ça va un peu plus loin que les autres versions. Et... oh putain, il a pris tellement cher. Waouh. Ça va un petit peu plus loin, et puis ça te questionne un petit peu, en fait, sur... bah, qu'est-ce que les Pokémon, comment on peut les voir, et ce genre de choses, quoi. Parce qu'en fait, ça, il y a deux écoles entre l'école des dresseurs et ceux qui disent non, les Pokémon doivent être libres, on n'a pas le droit de se battre avec eux, tout ça. Donc du coup, voilà, c'était plutôt rigolo de mettre une sorte de conflit entre le monde qui fait mais les Pokémon, c'est vachement bien, et puis un petit groupe de marginaux qui disent non, les Pokémon, ça doit être libre. Donc voilà, ça j'aimais bien, ça j'aimais beaucoup. Bon, en tout cas, Major Bob, bah, il a pas fait long feu. Voilà, comme je disais, une cave to piqueur à 200 mètres, et puis tu prends cher, quoi, c'est normal. Je suis quasiment à l'heure. Bon, bah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Le badge foudre qui est dans la popoche. Oh, je peux voler. T'es un bon petit gars, prends ça. Et là, je reçois tonnerre. Et tonnerre, c'est craqué. Ouais, c'est ça, Zaki, c'est une sorte de Greenpeace, un peu. C'est un peu ça. Bon, après, t'as les twists, hein. Je spoil, mais... Donc, comme dit la petite voix, noir et blanc, enfin, ils sont tellement bien que même quand t'as lâché les jeux, tu peux t'y remettre, quoi. Et d'ailleurs, je suis vraiment super étonné, en fait, de voir que beaucoup de gens ont repris avec XY. Alors que pour moi, XY, je les trouve meilleurs pourris. D'ailleurs, ça me fait un peu mal au cœur de me dire que j'ai passé 650 heures dessus. Sur 600. Ouais, si peut-être 700 heures sur Y. Et que c'est les versions que j'ai le moins aimé. Mais vraiment, quoi. Alors attendez, parce que je vais faire la petite save state qui va bien. Et ta sauvegarde rapide. Je vais fermer ça. Et je vais mettre webcam. Comme ça, vous me rien. Voilà, c'est le moment d'écrire gros. Écrivons gros. Bisous, Critch. C'est con que t'arrives maintenant. Ah, la petite voix qui veut venir. La petite voix qui veut montrer son corps. Par contre, je sais pas si... non, le deuxième caisse ne... Oh, si t'as pas de voix, c'est vrai. Donc au pire, bah, au pire, c'est quoi, regarde, t'as un clavier. T'as un clavier. T'as une souris. Voilà. Moi j'ai un petit peu lâché en fait avec Rossa. Quand j'ai vu le. Quand j'ai vu l'espèce de bug qu'il y a eu pour générer des Pokémon gratos, j'étais content au départ pour me dire c'est bien, je peux me faire des teams. Mais du coup ça permettait à tout le monde de tricher et ça me fait chier parce que moi je suis un mec qui aime bien faire ses Pokémon de A à Z. J'ai passé beaucoup d'heures à faire mon bagaïde sur noir et blanc. Mais après, c'est vrai que voilà, c'est les combats en 3D, le gameplay qui est quand même vachement bien pensé, la possibilité d'avoir des Pokémon avec plein d'IV partout, c'est cool. Voilà. Voilà, voilà. Bah, ça écrit gros, ça fait plaisir. Ça fait bien, moi j'aime bien. C'est cool. Mais ouais, Rosa m'a saoulé, hein. Franchement, Rosa m'a saoulé. Donc c'est pour ça, je sais pas si je vais m'y remettre. Donc je verrai. Pour faire des bastons, parce que j'aime bien me battre. Puis là, je me suis fait ouvrir Stonefest par deux mecs qui avaient misclick. Ils ont misclick leur jeu et ils m'ont battu. En miscliquant. Bah, en fait, disons que. Je vais parler en Pokémon, je vais l'exemple type. Hein. Moi, je mets un Mentali. Lui, il me met un Megavolt. Mon Mentali, il a le pouvoir de. Comment dire. Si je me prends une attaque de statue, il va lui rebalancer dans la gueule de l'adversaire. Je vois Megavolt, je me dis bon, je risque un bourdon. Donc il sera super efficace et qu'il pourrait éventuellement moins de shots. Je suis plus rapide que lui, donc je vais mettre des murs pour être sûr de mieux tanker le coup. Mais il y a le mec qui est en face de moi, c'est un trou de balle. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va mettre toile gluante, ce qui va faire que quand je vais switcher de Pokémon, il va baisser ma vitesse. Mec, il est con, il va le faire. Donc je mets mon mur lumière, et je vois qu'il me met tonnerre. Bon, ok. Bon, ben, s'il me met tonnerre, c'est bon, il est gratuit.
change de Pokémon, j'en mets un autre et là il met toile gluante. Et je me dis, mais pourquoi t'as fait ça? Non, mais j'ai mis ce clic. D'accord. Donc du coup, ça m'a saoulé. Ce qui fait qu'à chaque fois que je commençais un Pokémon qui arrivait sur le terrain, la vitesse qui part. Bon, après, je ne parle pas des critiques que je me mange, parce que si j'en mange pas deux par combat, c'est pas drôle. Voilà, 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 ma vie merveilleuse. Mentally for the win. Ouais, c'est ça. Puis ça peut, en plus, on peut mieux discuter, on peut mieux parler. Je préfère. C'est vrai que c'est rigolo. Mais ça, c'est un gimmick qui est génial, en fait, le fait d'avoir écrit en gros. C'est pas grave. Ah oui, sur les VOD, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah, si vous voulez qu'on lance un débat, après, on peut repasser sur la petite Léa Olési, là. Hop. Comme ça, on peut voir les messages de tout le monde. Mais là, on repasse sur webcam. Ça, on nous voit en gros. Avec mon tir TFF7, il est beau. Ah oui, oui. Ouais, puis pour les VOD, c'est important. Allez voir les VOD. Pourquoi tu fais ça? Ah, d'accord. Non, c'est parce qu'en fait, j'avais pas mis la souris sur le chat. Donc, du coup, voilà. Bah, du coup, on va pas attarder. Hein, on va laisser l'appart à Woody tranquille. On va rentrer à ma maison. Et puis, Eh ben, en tout cas, voilà, moi je vous dis bonne soirée. Merci d'être venu, merci de m'avoir soutenu, merci de m'avoir supporté. C'était très gentil, c'était très éprouvant en fait. Mon premier stream solo, c'est très dur. C'était très 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 dur. J'espère que je vous ai pas gonflé. Bref, bon, ben, des bisous à tous. Des câlins, tout ça. Lundi, donc demain, il n'y aura pas de long run parce que bah, Woody sera pas là. À moins que je continue le Nuzlocke, ou on peut faire ça façon à l'arrache, on pourrait éventuellement faire ça. Il y a le créneau. J'en parle à Woody et je balance les Twitter et les Facebook. Mardi, il y aura rien. Il me semblait qu'on le ferait quand même. On vous tient au courant. Et puis peut-être dimanche pour la suite du Nuzlocke encore. On verra. Voilà, voilà. Bon, allez, on va vous laisser tranquille. La Reine des Neiges qui, en fait, vous le voyez peut-être pas, mais avec la main en avant. Bon, c'est une statue, elle bouge pas. On peut imaginer qu'elle fait ça pour dire au revoir. Genre, à bientôt, revenez vite. Ah, c'est chaleureux dans mon cœur. Voilà. Et donc, voilà. Bah, merci Nuno, merci. Bonne nuit. Et puis, bah, j'essaierai d'en faire d'autres solos. Et puis même, ça me fait travailler un peu ma... mon aisance sociale. Je gagne des points d'aisance sociale à chaque fois que je fais un stream solo. Ok. Bon, allez. À plus, les copains.